Bonjour, Marc Fleurier, coach de lettres, et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une astuce qui va vous rendre la vie tellement plus facile pour cheminer vers le bonheur auquel vous aspirez. Cette astuce, elle repose en fait sur un changement d'attitude qui va vous faire éviter une des erreurs les plus banales, les plus courantes et surtout les plus pénibles, qui ralentit votre progression vers votre plein épanouissement. Cette erreur, elle consiste à faire des efforts pour essayer d'être heureux. Faire des efforts et utiliser donc la volonté, la force, la contrainte, les punitions, les récompenses et donc la culpabilité quand vous n'arrivez pas à faire ce qu'il faut faire. Faire ce que vous êtes censé faire et qui est censé vous aider, vous transformer, vous réaliser. Je vais être très clair avec vous sur ce point. Bien que faire des efforts, travailler dur, transpirer, passer à l'action massivement pour obtenir des résultats soit recommandé dans de nombreux livres, formations de développement personnel, de bien-être, d'éveil spirituel, etc. Ce n'est pas le chemin le plus facile, c'est au contraire le chemin le plus difficile, le plus rude, parce qu'il va générer intérieurement des résistances. Cette manière d'avancer par la contrainte, par les efforts, repose en fait sur une mauvaise image de vous-même qui dit mais si je ne me pousse pas vigoureusement, je ne vais pas avancer. Finalement, je ne suis pas capable d'avancer si je n'ai pas un bâton et une carotte. Il y a aussi quelque chose qui est très contradictoire à essayer d'être heureux en se rendant les pas sur ce chemin du bonheur pénible. Je vous propose une autre hypothèse. Le chemin du bonheur est le chemin le plus facile. Il est fait de pas qui sont eux-mêmes heureux, qui sont eux-mêmes joyeux, qui sont eux-mêmes aisés. Et ainsi, plutôt que d'espérer qu'en faisant quelque chose qui ne vous plaît pas vraiment, vous allez être heureux plus tard, je vous propose de faire des pas joyeux, qui sont déjà joyeux, vous cultivez déjà le bonheur ici, maintenant, et ça vous amène à être de plus en plus heureux. Intuitivement, vous le sentez peut-être, c'est beaucoup plus logique. Et pourtant, cette idée qu'il faut travailler dur, elle est tellement installée où il y a une petite voix en soi qui dit « mais je dois faire ça, c'est pour mon bien, je suis obligé de le faire, je dois me transformer et si je ne le fais pas, c'est pas bien et si je le fais, c'est irait de mieux en mieux ». C'est tellement implémenté qu'il semble difficile d'y résister. Après tout, presque tout le monde fait ça ou a fait ça à un moment ou à un autre. Je l'ai fait aussi, j'ai cru aussi à cette théorie comme poussant vigoureusement, j'allais avancer plus vite. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est dès que la pression cessait, j'avais tendance à revenir à la posture d'origine, qu'en plus je ne prenais pas de plaisir et que j'associais finalement ce qui était censé me faire du bien à une forme de punition. Il faut souffrir pour se sentir mieux. Il y a quand même quelque chose de bizarre si vous y réfléchissez. Ce changement d'attitude, il est donc très simple. Concrètement, en trois mots, c'est suivez votre enthousiasme. Suivez votre enthousiasme. C'est si simple. Vous avez un élan naturel en vous vers le bonheur. Alors pourquoi tout simplement ne pas le suivre? Ne faire que ce que vous avez réellement envie de faire. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, une des pratiques qui contribue en général le plus à l'épanouissement de tous les êtres, c'est la méditation. Donc vous allez lire dans des tas de livres, installer une routine de méditation quotidienne et méditer tous les jours. Sauf que ce qui va se passer, c'est que certains jours, vous n'allez pas avoir envie de méditer. Alors là, vous avez le choix. Soit vous prenez effectivement le chemin le plus difficile et vous forcez à méditer, et peut-être avec un peu de chance, au bout de quelques semaines, quelques mois ou plutôt quelques années, il se peut que vous compreniez que la vraie méditation se fait sans effort. Ou bien, peut-être,
la voie la plus facile, vous comprenez tout de suite que la méditation se fait sans effort tout de suite. Et dans ce cas, au moment de méditer, alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, le seul effort intelligent qu'il peut y avoir à faire, il se présente sous deux formes. Première forme, soit vous retrouvez votre enthousiasme pour la méditation. Vous allez aller chercher cet enthousiasme en vous. Il est toujours là en vous. Après tout, si vous vous êtes dit « ça serait bien que je médite », c'est parce que vous aspirez au bonheur et que vous avez compris que la méditation peut vous aider. Donc prenez un temps avant de méditer pour sentir un élan joyeux, un élan naturel à méditer pour que vous ne méditez pas pour être plus tard plus heureux, mais que dès maintenant, juste à l'idée de méditer, vous sentiez cet entrain en vous. Et c'est quelque chose de très physique, de très palpable. C'est un instinct. La deuxième forme, c'est là vraiment, en cet instant, vous ne sentez pas l'élan venir pour méditer et il vous semble difficile d'aller reconnecter à l'intérieur de vous. Donc dans ce cas, posez-vous la question, où est mon enthousiasme? Et cet enthousiasme, il se peut qu'il soit dans un autre type d'action. Peut-être, par exemple, ça serait de lire un bon livre, d'appeler un ami, de faire une délicieuse promenade. Regardez où est votre enthousiasme. Et faites plutôt cette action que de méditer en croyant qu'une méditation sous la contrainte va vous apporter quelques bénéfices que ce soit. Et si vous faites cela, c'est-à-dire que si vous faites l'action joyeuse, ben vous allez constater que quelques temps plus tard, vous allez retrouver votre élan naturel pour la méditation et ça va vous amener plus rapidement à comprendre que ce n'est pas tant la quantité de pas qui vous fait avancer, mais la qualité de ces pas. Privilégiez la qualité des pas, c'est-à-dire des pas joyeux. Je vous propose de tester cette hypothèse durant 30 jours. Durant les 30 prochains jours, si vous acceptez ma proposition, plutôt que de suivre les récriminations intérieures des « je dois faire ceci »,« je dois faire cela »,« il faut que je… » etc. Vous connaissez peut-être la chanson, donc le langage des contraintes. Vous allez poser la question « de quoi j'ai envie ? Qu'est-ce qui m'enthousiasme ?» Et vous allez faire seulement les choses par élan. Et s'il y a des activités qui vous semble judicieuse pour votre évolution intérieure, vous vérifierez auparavant que vous les faites bien à partir de cet élan. Et au bout des 30 jours, vous ferez le bilan. Alors, est-ce que mon chemin n'est pas bien plus facile? Est-ce que je n'ai pas bien plus avancé en suivant mon enthousiasme qu'en essayant d'utiliser la force et la volonté pour avancer? Et peut-être vous en arriverez à la même conclusion que moi. J'avance finalement bien plus vite en prenant le temps, en ralentissant pour retrouver mon enthousiasme, pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur et en me faisant confiance à cet élan intérieur. Si vous faites confiance à cet élan intérieur qui vous guide, vous allez avancer bien plus vite qu'en essayant de le diriger et le contrôler d'une manière ou d'une autre. C'est ma proposition et ce que je propose, c'est que j'adorerais connaître le résultat de votre expérience durant les 30 jours et après les 30 jours. Donc laissez-moi un commentaire sous cette vidéo, vous pouvez aussi le laisser dans l'espace de commentaires sous l'article de mon site aidecreateur.com. J'adorerais lire donc le résultat et puis si vous avez des demandes, des questions, des commentaires ou si vous avez besoin de précisions supplémentaires de comment mettre ça en œuvre pour finalement réaliser tout votre être sans effort, eh ben, laissez-moi la question et j'y répondrai avec joie. Je vous retrouverai très prochainement pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très très belle expérimentation sur votre chemin du bonheur. Bye bye.